Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo reroll information, comment reroll rapidement. Il y a une façon très simple de reroll que je vais vous montrer là après avoir dépassé ce petit, enfin plutôt avoir passé le tuto. Du coup, le tuto en moyenne prendra 10 minutes et on se retrouvera direct. Juste pour vous dire que je serai en live, ok? Je serai en live après 16 heures. D'ailleurs, si vous avez des problèmes sur Nox, vous pouvez décaler sur Boostac ou LD Player. Ils sont largement plus stables. Nox, depuis le fameux. Depuis la sortie, il y a des bugs dessus. On ne sait pas pourquoi, alors que la bêta, il n'y avait rien. Et dans cette vidéo, on va également parler, les amis, des unités qu'il faudra drop et qu'il faudra éviter. Bien sûr. Yami n'est pas une unité qu'il faudra drop, à l'exception si vous avez des unités qui peuvent suivre comme Jack, Yuno, qu'est-ce que je dis Yuno, Jack, William ou encore Lotus ou des persos qui peuvent break limite ou qui peuvent debuff les adversaires. Le perso a subi un réajustement énorme, si ce n'est dire un nerf, et vous allez voir pourquoi je dis ça. Comme je disais, le perso a reçu vraiment beaucoup de nerfs. Enfin, un énorme réajustement, et c'est pas le seul, il y en a eu pas mal. Et du coup, Lotus, qui lui est passé en SSR, sera plus intéressant d'être en relation dans la team avec des unités comme Yuno SR. Le Yuno SR qui reste une très bonne unité, free to play, qui break, si je ne dis pas de bêtises, il break defense en zone. Hop, c'est un DPS qui frappe en zone également. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord, mon Discord qui est disponible dans la barre de description. On fait des trades, on a un site, on est en train de préparer un site qui sera bientôt préparé et qui sera ouvert à tous. On va faire les trades en FR pour que vous évitiez justement de trop galérer. Et sur ce, on y go. Voilà, nous arrivons aux invocations. Alors, la première étape du reroll. Bien sûr, là, ils vont vous obliger à faire la première multi sur les 20 essais gratuits. Et après avoir fait ça, ok, la drop, c'est mignon, ok, ok, on connaît la musique. Ok. Léopold, ok, bon, on s'en fout. Non, ah non, Jack, autant pour moi. J'ai encore du mal avec les voix. Bref, Jack, qui est d'ailleurs une très bonne unité si vous avez William. Enfin bref. D'ailleurs, les unités à avoir, la meilleure team à avoir à l'heure actuelle, que j'ai pu constater, c'est Lotus, William, Jack et Yuno SR. Bon, là, ça, le bouton de droite permet de sauvegarder, ok. Et celui qui se trouve à sa gauche permet de drop. C'est un debuffer. Hein. Un debuffer. Ok. Là, on a fait ça. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, on va arrêter de faire les 20 essais. On va revenir ici. Ok. Et là, vous allez drop. Vous allez invoquer ici ou là, selon ce que vous voulez. Et là, je vous conseille vivement d'invoquer sur Fuego Leon. Ok. N'oublions pas de récupérer les récompenses et tout. On récupère tout ça. Pourquoi je dis Fuego Leon? Alors. Et pourquoi je dis en fait les deux persos? C'est que en fait, ce qui se passe, c'est que là, parmi les trois unités, la meilleure unité est Mimosa, vu qu'elle a un revive et une gros soin. Un gros soin. Très important, très très fort. Mais le problème, c'est que leur tout drop est vraiment médiocre. Même s'ils sont très forts en tas. Lui déjà, c'est un DPS. Ça, c'est un bon point. Mais ça se problématique sur le fait que... Sur le fait que, justement... leur taux drop soit ridiculement ridicule, quoi. Enfin, bref. Le reroll part de là. Vous allez faire votre multi. Si vous ne dropez rien...
Ou 3 multi. Ok, déjà là, la première, je reprends rien. Je dois ouvrir l'œil, son œil droit, si je dis pas de bêtises. J'ai rien drop, cool. Allez. On refait. Là, je crois que je drop. Pas, je drop pas. J'avais reçu une petite notif à gauche, mais je pensais que c'était un SSR, mais non, même pas. Ok, bon, déjà, là, juste sur ça, je peux partir sur un reroll. Hein. Et déjà, juste sur les deux premières multi, j'ai rien. Bah. Voilà, 3 multi, j'ai rien. Allez, on part sur un reroll. Juste sur ça, let's go. Après, j'ai lui. Mais bon, le but c'est d'avoir un SSR. Ok, à partir de là, ce que vous allez faire, vous arrivez ici, vous appuyez là, vous appuyez sur l'engrenage et vous êtes ici. Une fois que vous êtes là, vous appuyez sur le premier bouton rouge du dernier, de la dernière ligne, du dernier onglet. Et là, vous supprimez. Voilà. Et là, on va faire une deuxième étape. Parce qu'il se peut qu'on puisse skip le tuto. J'en suis pas encore sûr à 200%. On va faire ça. Let's go. Ok, alors on est là. On peut sauter le tuto. Et ça, c'est un énorme bon point. On peut sauter le tuto. Et il faut appuyer sur le bouton gauche. Voici le fast reroll. Le fast reroll est super important, les amis. Le fast reroll est super important. Le voici. Et voilà, là, on va directement pouvoir invoquer. Voilà. On repart sur l'invocation. Enfin, là. On fait les 7. Du coup, on fait les 7 trucs. Voilà, on va faire les 7 quêtes encore. Vous en avez, au lieu de faire 15 000 essais, enfin 25 minutes de trucs, vous enchaînez. Le pot de hongrie, bien sûr, pour skip. Hein. Pour skip le tuto. Et après, vous allez directement passer sur justement les 7 quêtes à faire. Cette quête à faire qui sont là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que là, réellement, vous passez de. Réellement, je pense que vous passez d'environ 25 minutes si on compte les 20 essais. Avec les 3 multi. Plus le tuto complet. À littéralement à moins de 12 minutes de reroll. Voilà. Allez, on skip. Enfin bref, je vais pas continuer jusqu'à faire tous les trucs, les deux combats. Enfin bref. Voilà.